Vraiment, pourquoi les gens ne peuvent pas approcher? Pourquoi est-ce qu'ils disent approcher les gens? Nous vous saluons, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit agréable. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur de gloire? Que le Seigneur puisse bénir ta présence en ce lieu. Que le Seigneur bénisse ta présence en ce lieu. Nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Là, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 21. The book of Deuteronomy 21. Deutéronome, chapitre 21. Deutéronome 21. Je veux que tout le monde soit à la page avant de commencer la lecture. I want everybody to be on the same page before we start. Deutéronome 21. Deutéronome 21. Deutéronome chapitre 21. Nous lisons à partir du verset premier. The first verse. Si dans les pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendue au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé. Les anciens et les juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs, car on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre. Les anciens de cette ville prendront une jeunesse qui n'ait point servi au travail et qui n'ait point tiré au jour. Ils feront descendre cette jeunesse vers un torrent qui jamais ne tarisse et qui n'ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la jeunesse dans les torrents. Alors s'approcheront les sacrificateurs fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils les servent et qu'ils les bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la jeunesse à laquelle on a brisé la nuque dans les torrents. Et prenant la parole, ils diront: nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple, d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. On peut s'asseoir et on peut aussi se saluer. Peut-être on a fait longtemps, on ne s'est pas vu. Long time we haven't seen each other. Le Seigneur te bénisse. Je salue papa, il est, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Je salue aussi Maman Julie, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je salue Maman Inès, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Vraiment, que le Seigneur puisse bénir tout le monde. Ah. Nous voulons partager la parole du Seigneur. We want to share the word of God. Vraiment, je suis content de la manière qu'on a loué l'Éternel. I'm happy today the way we worship today. Et ce que les bien-aimés Yaya a dit, the things that Brother Yaya said, vraiment, ça a attiré mon attention. Took my attention. Peut-être que vous êtes venu en retard. Maybe you came late. Papa Yaya travaille là à UK comme... Care. Ah ouais. Il s'occupe des malades là-bas. Dans, comment on appelle ça? La salle ICQ. Comment? Dans le côté de l'urgence. Hein. Mais ce qu'il a dit là, what he said, vraiment, ça doit interpeller tout le monde. Ça doit everybody's attention. Ah ouais, ça doit interpeller tout le monde. Donc, les bien-aimés disent ceci. Brother said, là où ils travaillent, il y a des gens qui n'arrivent pas bien respirer. The people where I work, they cannot breathe. Donc ils sont malades. They are sick. Donc ils sont vraiment dans les comas. Comme they are really in coma. Alors, les machines qu'on utilise pour leur donner le souffle de vie, de la respiration. And they use machines in order for them to breathe. Ils payent cela $10,000 and they pay par nuit. $10,000 a night. Vraiment ça, $10,000. $10,000. Je ne sais pas si c'est ton capital. Peut-être, comment on dit, ton taxe return. Maybe your tax return. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas 10 000, if you don't have 10,000, on retire seulement cette histoire. They will take that machine et tu pars. And you will die. Donc, c'est pour nous dire quoi? That means, aussi longtemps que le Seigneur nous donne le souffle, just like the Lord is giving us, c'est une occasion pour nous, pour les louer. For us to worship him. Chaque fois que tu te lèves le matin, every time when you wake up in the morning, tu as encore envie. And you are alive. Loue le Seigneur. Say thank you. S'il faut chanter, if it comes, chante pour le Seigneur. Sing for the Lord. Pourquoi nous le disons? Why do we say that? Puisque l'Écriture dit ceci. Because the Bible said, il est donné à l'homme, it's given to a man, une seule fois pour vivre, après quoi, en fait, une seule fois pour vivre et mourir, après quoi vient le jugement. To live and die only once, and after that comes the judgment. Pour te dire comme les gens disent qu'il n'y a pas de vie au brouillon, c'est que nous sommes en train de faire, c'est ça notre vie. What we are doing, that is our life. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à louer le Seigneur pendant qu'on a le souffle de vie, if we don't worship the Lord and we are alive, si le Seigneur retire seulement le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, if the Lord take our breath. Donc ça sera fini pour nous. And it will be done. Donc voilà, quand nous venons à l'église, and when we come to church, nous devons aussi chanter et danser pour le Seigneur. We should sing and dance for the Lord. Il n'y a pas une écriture dans la Bible, there is no scripture in the Bible, qui dit qu'écoutez quand vous allez à l'église, that said, if you go to church, vous commencez d'abord par la prière, you should start by praying. Vous priez pendant au moins 50 minutes. Pray for 15 minutes. Ou bien, comment non. Donc, quand on arrive à l'église, when we are in the church, on va prier, we should pray, on va chanter, and we should dance, on va écouter aussi la parole de Dieu. And hear the word of God. Quand on chante, when we sing, il faut aussi que tu puisses chanter aussi. We should also sing. Quand on prie, when people are praying, il faut aussi prier. We should also pray. Donc, quand tu as quitté ta maison, if you left your house, il faut savoir pourquoi tu as quitté ta maison. You need to know why you left your house. Si tu as quitté ta maison, if you left your house, c'est pour venir louer le Seigneur. It's to go worship the Lord. On ne peut même pas te dire, there's nobody who can even tell de te mettre debout pour chanter pour le Seigneur. Stand up and sing for the Lord. On ne peut même pas te dire pour de chanter pour le Seigneur. Nobody have to tell you. Mais cela doit venir de ton cœur. That should come from your heart. Quand tu regardes les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi, you see all the good things, il t'a gardé toute la nuit. He has kept you all night. Il a gardé tes enfants. He kept your kids. Il continue à te donner la force. And he's keeping to give you the pourquoi tu ne peux pas chanter pour lui? Why can't you just sing for the Lord?
Si par exemple les gens de ce monde if people of the world, peuvent nous donner des choses périssables, they can give us things that de l'argent par exemple, money for example, nous sommes reconnaissants envers ces gens. We thank those people. Mais à plus forte raison, c'est lui qui nous donne au prix de cela, au-delà de cela. But God is worthy to be, you know, God give us more than that. Because he gives us more than that. Donc, comme Dieu nous donne au-delà, just like God is giving us more than nous devons that, être plus reconnaissants envers Dieu. We should say thank you more to the Lord. Que être plus reconnaissant envers les hommes de ce monde. Than those who give us the stuff of the world. Là, c'était une petite exhortation. This is just not the exhortation. Pour te dire que chaque fois que nous venons, to just let you know every time nous devons chanter pour l'éternel Dieu. We should sing for the Lord. Alors, nous allons nous exhorter sur l'homme tué. We are going to talk about a person who died. Et laissé dans un champ. And he was left alone in the garden. Sans connaître qui l'a frappé. And nobody knew who beat him up. Donc, ça c'était la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël par son serviteur Moïse. That was the law which was given by Moses. Dieu va dire ceci à Moïse. And God told Moses. Que tu vas dire au peuple d'Israël. Tell the Israelites. Quand ils vont entrer dans le pays que je vais leur donner. When they reach in the country that I'm going to give to them. Si par hasard. And if vous trouvez un homme, un cadavre dans un champ. They found a dead body in the garden. Et sans connaître qui a tué cette personne. And if you don't know the person who killed the dead body. Qui a frappé cet homme. Who beat him up. Voilà ce que vous allez faire. This is what you should do. Vous allez prendre les juges. C'est ça ce que l'Écriture dit. You should take the judges. Là, je suis au verset 2. On dit ceci, tes anciens et tes juges, ils vont mesurer les distances. Your elders and your judges, they should measure the distance of the city. Ils vont mesurer une distance à partir du cadavre. They should measure the distance surrounding the dead body. Donc, ils vont mesurer à partir du cadavre et ils vont aller jusqu'à la ville qui est proche du cadavre. And they... Oh, ouais, la ville, ça c'est la même chose. Zile, c'est ça la ville. Donc, quand vous trouvez un cadavre étendu dans un champ, when you found a dead body in the garden, les anciens vont venir mesurer la distance. The elders should measure the distance à partir du cadavre from the dead body jusqu'à la ville la plus rapprochée du cadavre. Until the nearest city that is near the dead body. Si par exemple les champs c'est ça Lexington. If the garden is in Lexington, for example. Et qu'on a trouvé un cadavre à Lexington dans un champ. And if they found a dead body in any garden in Lexington. Sans connaître qui a tué la personne. And if they don't know who killed the person. Les anciens de la ville vont venir. The elders of the city should come. Ils vont mesurer la distance du cadavre jusqu'à la ville la plus rapprochée du cadavre. And they have to measure the distance from the dead body to the near. C'est comme la ville la plus proche, rapprochée de Lexington, c'est par exemple Winchester, Georgetown. Donc ils vont mesurer. They have to measure. Et après avoir mesuré, and after measuring, qu'est-ce qu'ils vont faire? What are they gonna do? Ils vont aller prendre une génisse. And they're gonna take a heifer. La génisse, c'est les petits d'une vache. The heifer is a little. Génisse. It's a young beef. Wow. Qui n'a pas encore mis bas. C'est ça la génisse. It's just a kid of the beef. Okay. Ils vont prendre la génisse. And they're going to take the heifer. Et ils vont amener la génisse au taureau. And they will take it
au torrent, là où il y a de l'eau. To the waters. Des mots là-bas, c'est bon. Running water. Okay. Ils vont amener la jeunesse au torrent. They will take it to the running water. Et ils vont briser la nuque de la jeunesse. And they should break the neck of the heifer. Et ils vont laver leurs mains sur la jeunesse. And then they have to wash their hands. Pour dire que nous sommes innocents. And to say that they are innocent. Nous ne connaissons pas celui qui a tué cet homme. We don't know the person who killed this man. Alors, la Bible dit que Dieu va pardonner leurs péchés. And the Bible said God will forgive their sins. Dieu ne va pas imputer le sang de cet homme. God will never sur la ville la plus rapprochée. God will never repeat this. Imputé, c'est-à-dire que le Seigneur ne va pas et il ne va pas compter, il ne va pas charger le peuple, dire que non, c'est vous qui avez tué. God is not gonna condemn the blood. Non, non, les gens de la ville rapprochée. Those people nearest the city, they will never be charged for the shedding of the blood of the person. Bon, vous savez. Bon, ça c'est une histoire qui se faisait même à l'époque chez nous. Hein? Vous savez pas ça? Bon, nous, quand on était enfants, c'était comme ça. Quand quelqu'un meurt, if a person died, quand quelqu'un meurt dans une ville, if a person died in a city, ou soit dans un village, à l'époque, nous avons été au village. Or in a village. Quand quelqu'un meurt, if a person died, on trouve quelqu'un, par exemple, un cadavre étendu sur la route. He is found a dead body in the road. On va aller arrêter tous les gens qui vivent aux alentours. They will arrest everybody that is near the dead body. Pour leur poser la question. And to ask them a question. Comment cet homme est mort? How this person died? C'est-à-dire qu'on veut connaître réellement qui a tué la personne. They want to know who killed the person. N'est-ce pas? Même ici aux États-Unis. Even here. Si par exemple on trouve un cadavre sur la route ici, if they see a dead body in the road, la police viendra. The police will come. La police va mener des enquêtes. They will do an inquiry. Pour chercher à connaître qui est réellement a tué la personne. To know who killed the person. Donc c'est ça, c'était une loi en Israël. That was the law in Israel. C'est-à-dire que le monde, that means the world, est en train de copier les choses de Dieu. It just copying the things of the law. Mais seulement, only, le monde ne comprend pas ce que Dieu voulait enseigner par people don't understand what the Lord was trying to teach us. Puisque ça, c'était un grand enseignement. This is a good teaching. Donc, vous avez trouvé un cadavre dans les champs. If you found a dead body in the garden. Donc, comme le cadavre est dans les champs, the dead body is found, on ne connaît pas qui l'a tué. And they don't know who killed that person. Au lieu que le sang de ce cadavre instead of the blood of that person, puisse tomber sur les gens qui sont aux alentours du cadavre. To fall on those people who are near the dead body. Voilà comment Dieu avait déjà résolu le problème. And God gave a solution to the problem. Prenez seulement une jeunesse. Take only a heifer. Quand vous prenez la jeunesse, when you take the heifer, brisez sa nuque. Break his neck. Et lavez vos mains sur la jeunesse. And wash your hands. Et le sang de cet homme ne va pas retomber sur vous. And nobody will dispute the blood of that person. Mais si vous ne faites pas cela, if you don't do that, le sang de cet homme va retomber sur vous. That person's blood will be disputed. Puisque vous ne connaissez pas celui qui l'a tué. Because you don't know who killed that person. Comme vous ne connaissez pas celui qui l'a tué, since you don't know the person who killed, faites ce que Dieu a dit. Do what the Lord says. Si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, if you don't do that, le sang de cet homme va retomber sur vous. The blood of that person will be upon you. Ça c'était la loi que Dieu avait donnée. That was a law that God gave. Suivez-moi très bien. Follow me carefully. Le Seigneur Jésus en venant, when Jesus came, il a dit ceci. He said que la loi prophétisait. The law was a prophecy. Donc la loi prophétisait sur la venue du Seigneur Jésus. The law was prophesying the coming of Jesus Christ. Je vais faire un effort pour être bref. I'm going to do my best to be short. Je pense que là-bas j'étais bref.
J'étais bref. J'avais été bref. J'étais bref. Je n'avais même pas fait 35 minutes. Par rapport. Hein? Oui, vous avez été bref par rapport à chaque jour. Ah ouais. Ok. Alors, nous disons ceci. We are saying this. Remarquez quand le Seigneur Jésus arrive. When Jesus came. Un jour, le Seigneur voulait rentrer à Jérusalem. There's a day Jesus wanted to go back to Jerusalem. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 20. Verset 21. Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, à partir du verset 21. L'Écriture nous dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà. Jésus, quand son temps de mourir approche, when his time to die was near, il va commencer à dire à ses disciples, and he started talking to his disciples qu'il faut qu'il puisse aller à Jérusalem, he had to go to Jerusalem, pour qu'il puisse souffrir et mourir. To be suffer and die. Pierre va lui dire, and Peter told Pierre, voyez ce que Pierre a fait. What Peter did, la Bible dit que Pierre l'a récupéré. Peter took him aside. Il l'a amené à côté. And he took him aside. Il a commencé à lui dire. And he started rebuking him. Que cela ne puisse pas t'arriver. May that never happen to you. Quand le Seigneur regarde Pierre, when Jesus turned around, il va dire à Pierre que arrière de moi Satan. And he said, get away from me, Satan. Donc pour le Seigneur, for Jesus, ce que Pierre disait là, what Peter was saying, c'était le diable qui parlait au travers de Pierre. It was a Satan using Peter. Pourquoi? Why? Puisque le Seigneur Jésus a emmené dans le monde. Because when Jesus came, la mission qui a amené le Seigneur dans le monde, his mission, c'était la mission de mourir. Was to die. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus était venu pour mourir. Jesus came only to die. Mais voilà, Pierre va lui dire. But Peter told him, non, que cela ne puisse pas pleurer. May that que cela ne t'arrive pas. May the death never happen to you. Voilà pourquoi le Seigneur va dire. And then Jesus answered, arrière de moi, Satan. Go away from me, Satan. Car tes pensées, because your mind ne sont pas les pensées de Dieu. Is not the mind of God. Ce sont les pensées des hommes. It's the mindset of puisque human dans being. La pensée de l'homme. The thought of human c'est being. Pourquoi quand par exemple vous suivez les films de l'Église catholique. When you follow the movies of Catholic. Quand on montre le Seigneur Jésus sur la croix, when they show Jesus on the cross, il y a de ces mamans là qui pleurent. There are many mothers who cry. Quand on suit ce film, when you follow the movie, je me rappelle quand j'étais petit un jour, I remember when I was young, on suivait ce film I was watching that dans l'église catholique. In the Catholic Church. Donc on allait suivre des films chaque fois. C'est pas qu'on va à l'église, mais on mettait des films. They were putting movies and we quand to on met les films, when they put comment movie, le Seigneur était sur la croix, and we saw how Jesus comment on mettait les clous, and how they les, put, donc les gens avec qui on était, people that surtout les mamans, commençaient à pleurer. Especially mothers, they were all crying. Donc selon l'homme, for people, pleurait comme ça la mort du Seigneur Jésus. Crying the death of Jesus Christ. Donc selon l'homme, c'est bien. For them, it's good. Mais selon Dieu, ce n'est pas bien. Selon la pensée de Dieu. According to the thought of God, selon la pensée de Dieu, God is thought, Jésus était venu juste pour mourir. Jesus was there just to die. Puisque empêcher le Seigneur de mourir, because if Jesus couldn't die, c'est nous priver la vie éternelle.
We couldn't have the eternal life. Puisque le salut because the salvation vient par la mort du Seigneur. Came only when Jesus died. Voilà pourquoi nous, that is why, nous devons nous réjouir de la mort du Seigneur. We should be happy because of the death. C'est par sa mort que nous sommes pardonnés de nos péchés. Because of his death, we are all forgiven. Si aujourd'hui nous pouvons avoir l'espérance de la vie éternelle, if today we can have the eternal life, c'est puisque le Seigneur était mort pour nos péchés. Because Jesus died for our sins. Souvenez-vous, you may remember, quand Dieu avait chassé Adam, when God chased Adam out of the garden, du jardin d'Éden, tu as complété, du jardin d'Éden, the garden. Qu'est-ce que Dieu a fait? What happened? Dieu a pris les chérubins. God took a cherubim. Il les a placés devant le jardin. And he put them in the garden. Avec une épée qui tourne. With the sword that donc, quand l'épée tourne comme ça, when the sword is c'est pour around, te dire que quiconque va passer, that means any person who will go through, l'épée va le toucher, il va mourir. The sword will touch him and he will voilà die. Pourquoi Adam ne pouvait plus rentrer. That is why Adam couldn't puisque go back. Il avait peur de la mort. Because he was afraid to die. Donc que le chemin du jardin était fermé. The way to the garden was closed. Or, le jardin était l'image du ciel. And the garden is the image of heaven. Pour dire que le chemin du ciel était fermé. That means the way to the Lord was closed. Qui avait fermé, c'était Dieu lui-même. Who closed it? That was God himself. Voilà pourquoi, pour que le chemin soit ouvert, in order for the way to be open, il fallait que quelqu'un meure. Somebody has to die. Et celui qui est mort, and that person who pour que le chemin soit ouvert, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui le chemin est ouvert. That is why the way is open. Alors, empêcher le Seigneur de mourir, to stop Jesus from getting killed, c'est nous priver la vie éternelle. That was to stop us to have eternal life. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre. That is why Jesus told Peter. Et Pierre, arrière de moi Satan. Go away from me, Satan. Donc pour dire que c'était Satan, that means Satan qui avait mis ses pensées dans Pierre. Was using Peter. Alors, quand nous lisons maintenant Luc chapitre 13. When we read in Luke chapter 13. Lisons Luc 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 31. Beginning the verse 31. Je salue aussi la présence de papa Alain, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Greet the presence of papa Alain. Et maman Nyabade. And maman Nyabade. Nyabade, maman Mapasa. Maman Mapasa. Que le Seigneur puisse vous bénir. May the Lord bless you. Nous lisons à partir du verset 31. We're going to read in verse 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez, dites à ses renards. Donc, Hérode, c'est les renards. Hein? Dites à ses renards, hein, papa. Donc, toi, tu vas dire au roi qu'il est renard. Dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Par rapport à ce que nous venons de dire, according to what we just read here, les pharisiens vont dire au Seigneur, the Pharisees went to Jesus and told que Hérode cherche à te tuer. Hérode is trying to kill. Donc ça veut dire que ces pharisiens, those Pharisees, ils croyaient même effrayer le Seigneur. They was afraid. Non, ils croyaient effrayer, c'est-à-dire faire peur au Seigneur. They thought it was a c'est comme aujourd'hui. Jesus, to make Jesus scared. Okay. C'est comme aujourd'hui. It's like today. Papa vient me dire. If I go to pastor. Fais attention, delphin va te tuer. And I tell him, pastor, pay attention, papa the phone to kill. Donc c'est pour dire que. That means. Il m'effraie. I'm trying to make him to be scared. Moi comme homme. As a qu'est-ce que je vais faire? What am I je vais fuir.
I'm going to run away. Mais le Seigneur, lui, but Jesus, comme lui était venu pour mourir, because he came just only to die, écoutez sa réponse. Listen his answer. Il va dire que dit à Serena. He said, tell that. Dis à Serena. Tell that to me, si on dit le démon. Là-bas, on dit le démon. Bon, les renards aussi, dans la génération des démons. Va dire à ce renard, tell him, aujourd'hui, je chasse les démons. Today I'm casting out of demons. Et demain, je fais des guérisons. And today I'm going le troisième jour, je vais finir. In 3 days, I'm finishing my work. Car il ne convient pas. Because it's not good à un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. For a prophet to die outside of Jerusalem. Donc Jésus, Jesus, son problème c'était d'aller à Jérusalem. His problem was to go to Jerusalem. Puisque son temps était arrivé de mourir. Because his time was up. Malgré qu'on pouvait venir l'intimider, even people could intimidate him, ces intimidations ne pouvaient rien faire au Seigneur. Those intimidations couldn't do nothing. Mais puisque le Seigneur était venu pour mourir, because he came only to die. Voilà pourquoi il va dire qu'il n'est pas bon qu'un prophète puisse mourir en dehors de Jérusalem. Therefore, he said it's not good for prophets to die outside of Jerusalem. Pour dire que le Seigneur lui-même d'abord c'était un prophète. Jesus himself was a prophet. Le Seigneur il est le prophète. He's a prophet. Il est le pasteur. He's a pastor. Il est l'évangéliste. He's an evangelist. Il est l'apôtre. He's an apostle. Et il est le docteur. And he's a doctor. Donc lui il est le grand prophète. He's a big prophet. Comme prophète, as a prophet, Jésus confirme. Jesus, il ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. He couldn't die outside of Jerusalem. Donc, un prophète mourir en dehors de Jérusalem, a prophet to die outside, ça ne peut pas arriver. Outside of Jerusalem. Pourquoi? Could not happen. Pourquoi le Seigneur dit cela? Why did he say that? Quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, when we read in Acts, lisons Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres. Je suis dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Vous êtes là? Are you there? Nous lisons à partir du verset 26. Actes chapitre 8, verset 26. Bon, pour gagner du temps, on lit seulement le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide, ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ainsi de suite. Voilà. L'unique Éthiopien, suivez maintenant. L'unique Éthiopien était allé adorer à Jérusalem. He went to worship in Jerusalem. Au retour, quand il rentrait en Éthiopie, and when he was going back to Ethiopia, il avait pris les rouleaux. He took a scroll. Et il a ouvert dans le livre d'Ésaïe. And he opened in the book of Isaiah. Les passages qu'il lisait, and the place he was reading, c'était la prophétie que Ésaïe avait donnée. It was Isaiah's prophecy. Ésaïe avait donné une prophétie. Isaiah prophesied pour dire qu'il a été amené à la boucherie comme une brebis muette. He said he was taken to be slaughtered like a silent sheep.
Et quand il lisait cela, and when he was reading that, il ne comprenait pas. He couldn't understand. C'est pourquoi Dieu lui avait envoyé Philippe. And the Lord did send Philip. Ça, c'était un miracle. That was a miracle. Lui, il était dans le désert en train de lire. He was in the desert reading. Mais Philippe était à Jérusalem. But Philip was in Jerusalem. Bon, je ne sais pas comment ce que Dieu avait fait. I don't know what happened there. Dieu avait donné des ailes d'aigle à Philippe. God. Il avait donné des ailes à Philippe. God gave Philip's wings. C'est-à-dire que Philippe a quitté Jérusalem. That means Philip went from Jerusalem. Il est allé directement dans le désert. He went in the desert. Juste pour expliquer cet homme. To explain this to Eunuch. Et après avoir expliqué, Philippe a disparu. And after explaining, Philip disappeared. Donc cet homme ne comprenait pas. That man couldn't understand what c'est he was pourquoi going. Philippe lui a expliqué pour lui dire. That is why Philip explained to him. Esaïe parlait du Seigneur Jésus. Isaiah was talking about Jesus Christ. Donc la brebis, the sheep, qu'on devait amener à la boucherie, who was supposed to be led to slaughter. Cette brebis c'est le Seigneur Jésus. That sheep was Jesus Christ. Pour dire que quand le Seigneur Jésus est venu, when Jesus came, il était aussi considéré comme une brebis. He was like a sheep. Or quand vous rentrez, when we go back now, dans la loi de Moïse. In the law of Moses, quand on avait érigé le tabernacle, when they built the tabernacle, on a fait les parvis. They did the fence. No. Backyard. Courtyard. Courtyard. Il y a eu les parvis. There was a courtyard. Dans les parvis, in the courtyard, c'est là qu'il y avait l'autel des holocaustes. It was a place where they were slaying animals. Et il y avait la cuve there. And there was like a basin of water. Alors, une question que je pose à l'église. The question that I'm going to ask it to you. À quoi servait l'autel des holocaustes? What was the why they put that place to slaughter, you know, to kill animals? Quel servait l'autel des holocaustes? C'était pour sacrifier. Sacrifier quoi? Ah, c'est que l'autel, c'est le lieu de sacrifice. A place for. Et on mettait quel animal? What kind of animals they were putting? On mettait quel animal? On mettait les animaux de sacrifice. On ne mettait pas n'importe quel animal. Not any kind of animal. Les chiens, on ne les mettait pas là-bas. They couldn't put. Vous comprenez? Mm. Parce que les chiens, ce n'était pas un animal de sacrifice. Les porcs, on ne les mettait pas là-bas. Even pig. L'éléphant, non. Elephant. Les lions, non. Lions. Les léopards, non. Leopard. Mais il y a eu des animaux de sacrifice. That they were particular animals. Tels que la brebis. Like the sheep. Tels que la chèvre. Like goat. Tels que les boucs. Les boucs. Bouc, les côtes, c'est pas les côtes mal au commencement. Il y a les boucs, il y a eu encore quoi? L'aime, c'est ça la prévue, non? Taureau. Donc, c'était des animaux de sacrifice. Those animals were for sacrifice. Donc, on mettait ça sur l'autel. They were putting them in the. Suivez-moi bien. Follow me carefully. On mettait les animaux de sacrifice sur l'autel. They were putting those pas animals, n'importe quel animal. Not any type of animals. Quand vous mettez un chien sur l'autel, when you put a dog, or, ça c'est une abomination. That was an abomination. Vous comprenez ça? Même aujourd'hui, l'autel existe. Even today, there is an altar. L'autel aujourd'hui, the altar today, c'est ça, les pieds du Seigneur Jésus. It's the feet of le Seigneur Christ. Jésus, c'est lui qui est l'autel. Jesus Christ is himself the altar. C'est-à-dire qu'on sacrifie sur le Seigneur Jésus. We sacrifice only Jesus Christ. Ce que nous sacrifions aujourd'hui, what we sacrifice today, ce ne sont plus les animaux physiques. Is not physical animals. Mais ça devient quoi? What is it? Jésus a enseigné, non? Qu'est-ce qu'on sacrifie à Dieu aujourd'hui? Ce sont les fruits de nos lèvres, the fruit of our les cantiques, nos prières, our prayers, c'est ça le sacrifice que nous donnons au Seigneur aujourd'hui. That is the sacrifice we are giving. C'est-à-dire que dans les cantiques,
in the song. On doit retrouver le Seigneur. We should find si dans le cantique il n'y a pas le Seigneur, song, c'est une abomination. Tu ne vas pas nous amener le cantique. You cannot tell us the song. Nous dire par exemple, for example, que Moutu a Massoua. Moutu a Massoua. A person is in the boat. Donc il y a des gens qui vous chantent des cantiques où il n'y a pas le Seigneur dedans, où il n'y a pas la parole de Dieu. People are singing songs that you can't even find the name of donc, Jesus. Donc le Seigneur. Jesus Christ. D'ailleurs, c'est ça que je vais passer dans la conférence. This is what I'm going to preach. La Seigneur. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur Jesus Christ agrée seulement sa parole. Is happy only with his word. Le Seigneur s'agrée lui-même. He is happy with himself. Il faut que dans ta prière, in your prayers, qu'il y ait le Seigneur dedans. You need to put God. La prière, c'est quoi? What is the prayer? C'est prendre la parole du Seigneur et remettre au Seigneur. And to take the word of God and give it to him. Tu ne vas pas faire une prière. You cannot pray. En dehors du Seigneur, en dehors de la parole. Outside of the word of God. Tu ne vas pas faire la prière. You cannot pray. Tu vas dire que non pour chasser les démons. To say in order to cast the demons. Il faut prendre le marteau de 500 kilos. You need to take a hammer. Pour chasser les démons. To cast le Seigneur nous a dit qu'on chasse les démons au nom du Seigneur. The Bible says we should cast the demon in the name of Jesus. Pour tu veux manger, if you want to eat, tu ne vas pas invoquer le sang. You cannot pray the blood. Non, que le sang puisse venir purifier ma nourriture. And the blood wash out my ça, c'est une abomination. That is an abomination. D'ailleurs, le sang du Seigneur Jésus, the blood of Jesus Christ, c'est pour purifier l'homme. Is there to purify le sang du Seigneur Jésus ne purifie pas les mains. No, not to purify our chairs. Tu ne vas pas prier. Quand le Seigneur, je voyage, mets ton sang sur la route. I'm going somewhere. Mais si tu vois le sang sur la route, comment tu vas marcher? C'est une abomination. Le sang du Seigneur, ce sang-là est venu pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous pardonner. Is there to wash us and to forgive us? Donc ça, c'est mettre les chiens sur l'autel. That is to put it in ça, c'est mettre les porcs sur l'autel. In the altar. Amen. Vous savez ce que comment on dit, ce que la bête fera quand la bête viendra. What the beast will do when it comes. Quand on parle de l'abomination, de la désolation dont a parlé Daniel. When we talk about abomination. C'est-à-dire que la bête va changer les sacrifices. The beast will change the sacrifice. Et cela était arrivé à l'époque aussi. That happened a long time ago. En Israël, in Israel, quand Israël était captif, when Israel was in captivity, du temps de la Grèce, in the time of Greece, il y a un monsieur là, j'ai oublié son nom. Someone, cet homme-là avait changé aussi les sacrifices d'Israël. That man changed even the sacrifice. Israël offrait des agneaux par jour. Israel was giving two lambs. Qu'est-ce qu'il a fait? What happened? Comme il était roi, because il a imposé qu'on puisse mettre les porcs sur l'autel. He told them to put pork. On avait mis les cochons sur l'autel. They put pork in the altar. Et dans la loi d'Israël, with the Israelites, l'enfant ne peut pas voir la nudité de son père. A child cannot see the nakedness of ça, c'était la loi. That mais qu'est-ce que cet homme avait fait? What happened? That cet homme, il a organisé. Vous connaissez ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Ça a commencé là-bas, non? Ça a commencé là-bas. From there. Donc ça a commencé là-bas. On a commencé à faire courir les gens nus. People were on imposait, naked. C'était l'abomination. They were et ça continue jusqu'au jour. They were forcing people to vous connaissez, vous avez les gens nus. Donc là-bas, like les gens marchent nus. Ça a commencé depuis. People walked like naked. That beginning. Donc c'est l'abomination. Abomination. Donc dans la prière, in the prayer, il faut mettre dans la prière. Papa, le Seigneur a dit pardonner. Jesus said, forgive. C'est pas parce que papa m'a fait du mal. It's not because I did. Dans ma prière, je vais demander que le Seigneur me fasse du mal. And I will ask the Lord ça, c'est mettre les porcs sur l'autel. That is to put and clean hands. C'est une abomination. It's an abomination. On prie conformément à la parole. We pray accordingly to the word. On chante conformément à la parole. We sing accordingly to the word. On prêche conformément à la parole. And we preach exactly to the word. Tu ne vas pas venir élever un homme au milieu de nous. You cannot
elevated a human pour being, dire que si cet homme n'est pas là, and say if that person is not there, les gens ne peuvent pas se rassembler. People cannot be the ça, c'est grave, c'est une abomination. That is an abomination. Ça, c'est une parenthèse. This is just a paraphrase. Alors, j'étais en train de dire ceci, I was saying this. Que on mettait les animaux de sacrifice sur l'autel. They were putting animals of sacrifice in altar. Entre autres, la brebis. Like sheep. Alors, quand Esaïe appelle le Seigneur comme une brebis, when Isaiah called Jesus as the lamb, c'est pour dire que le Seigneur doit aussi passer par l'autel. Le Seigneur doit passer aussi par l'autel. Jesus has to go through to the altar. Or, l'autel, c'est ça, le lieu de sacrifice. The altar is a place of sacrifice. Quand on met la brebis sur l'autel, when they put a lamb in altar, c'est pour que la brebis puisse mourir. That is to kill the sheep. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. The altar is a place to sacrifice. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, when Jesus said, il n'est pas bon qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. It's not good for a prophet to die outside of pour dire que Jérusalem devient le lieu de sacrifice. That means Jerusalem become a place of sacrifice. Donc Jérusalem devient l'autel. Jerusalem became an altar. Vous comprenez ça? Do you understand? C'est que Jérusalem devient l'autel. Jerusalem became an altar. Mais quand on dit que Jérusalem devient l'autel, when we say Jerusalem became an altar, c'est pas Jérusalem physique. It's not the physical Jerusalem. C'est un langage. It's just a language. Pour dire que quand on est prophète, that means if we are prophet, on doit, on est tout prophète, c'est une brebis. Je vais dire ça. Any prophet is a sheep. Psalm 44. Psalm 44. Papa Simon peut lire pour nous. Psaume 44, tu vas lire le verset 23. Et après, Papa Trésor va lire Romains chapitre 8, verset 36. Mais c'est à cause de toi que nous faisons aujourd'hui le jour. On nous regarde comme des brebis destinés à nous chercher. Amen. Tu peux t'asseoir. C'est à cause de toi. Toi là qui? It's because of you. Toi Dieu. Who is you? C'est à cause de toi Dieu. Because of you, Lord. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. They are looking at us like a sheep that is. Ici, vous voyez, les brebis sont au pluriel. Here, sheep are in plural. Donc, il y a plusieurs brebis. There are so many sheep. Qui sont destinés à la boucherie. They are designed only to go to. Mais ces brebis destinés à la boucherie. Those sheep. On les destine à la boucherie à cause de Dieu. They are going to be slaughtered because of God. Est-ce que vous comprenez ça? Ces bouchers, ces brebis, c'est qui? Those. Ce sont les prophètes. Puisque Jésus est la brebis. Because Jesus is a sheep. Jésus est la brebis au singulier. Jesus is a sheep. Mais les prophètes sont des brebis au pluriel. But prophets are sheep. On les tue à cause, on les a tués à cause du Seigneur Jésus. They kill them because of Jesus. Tu peux lire maintenant Romains 8, 36. Continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Vous voyez, le frère Paul, apostle Paul, il a récupéré l'écriture de Psaume. He took the scripture from Psaume. C'est l'écriture déjà donnée là-bas, c'est ça ce qu'il a récupéré. He took it from Psaume. Que c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. It's because of you we have been killed. On nous regarde tous les jours, on nous fait souffrir à cause de nous. People are making us. Mais dans toutes ces choses, with all those things, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. We are more than conquered because of. Donc qui dit comme ça, ce sont les prophètes.
Vous comprenez? Prophet said that. Donc les prophètes ont été tués à cause de Dieu. The prophets were killed because of God. Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter 5. Apocalypse chapitre 6 plutôt. Revelation chapter 6. Avant d'abord de lire Apocalypse chapitre 6, nous lisons d'abord Apocalypse chapitre. Bon, disons d'abord 6. Apocalypse 6. Verset 9. Quelqu'un peut dire. Revelation 6, 9. Lisons le nom de Jésus. Amen. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du. Un instant. Je vis où? Je vis sous l'autel. Ah, vous voyez? Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités, immolés à cause de Dieu. Donc, et continue de la lecture. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ok. C'est-à-dire que ces gens ici, those people, dans Apocalypse chapitre 5, 6, in Revelation chapter 6, les âmes que Jean a vues sur l'autel, the soul that John saw, ce sont les âmes des prophètes. They are the souls of prophets. Puisque les prophètes, because the prophets, selon le Seigneur, according to the ils doivent mourir où? The prophet had to die in Jerusalem. À Jérusalem. Et Jérusalem, c'est ça l'autel. And Jerusalem is an altar. Puisque les prophètes sont des brebis. Because the prophets are like sheep. Voilà pourquoi on voit leur âme sur l'autel et il crie. And you are crying. Il crie jusqu'à quand? Until when? Tu vas garder silence. Are you going to keep quiet? Vous comprenez? Jusqu'à quand tu gardes silence? Until when are you going to venge keep quiet? Notre sang. Avenge our blood. Et quand la parole est sortie? And when the word came out. Qu'est-ce que la parole a dit? What the Bible said. Là où tu as lu là. Verset 11. Une robe blanche fit donner à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort complet. Amen. Donc, on va dire au prophète de pouvoir encore prendre patience. They said to prophet to wait. Jusqu'à ce que le nombre soit complet. Until the number will be complete. Donc, quand est-ce que le nombre sera complet? When the number is not. C'est quand on va encore tuer d'autres prophètes. It's when they are going to kill other prophets. Sous l'autel. At the altar. C'est-à-dire qu'il y aura encore d'autres prophètes. There are also other prophets. Qui vont mourir à Jérusalem. Who are going to die in Jerusalem. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit que Jérusalem, Jerusalem, ce n'est pas Jérusalem physique, it's not a physical, mais c'est un langage. It's just only a language. Mais qui parle seulement de l'autel. The language that we use to picture the altar. Amen. Amen. Qui parle seulement de l'autel. Est-ce que Jésus-Christ, Jesus Christ, en fait, est-ce que d'autres prophètes, other prophets, comme Esaïe, comme Jérémie, like Isaiah, Jeremiah, est-ce qu'on les avait amenés sur l'autel physique? Do they die on the physical altar? Hein? No. Mais pour te dire que l'autel aussi c'est un langage. The altar is just a language. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? J'ai fait toutes ces démarches. I did all the pour this vous ramener dans le terrain 21. To take you back in the terrain 21. L'autel dont on parle c'est un langage. The altar is just a language. Mais il y a eu l'autel physique. But there were a physical altar. Sur lequel on mettait des brebis. They were putting animals. Mais ces brebis là. Those animals, était l'image des prophètes. It was the image of prophets. Voilà pourquoi Jésus dit. That is what Jesus said. Que un prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. It's not good for a prophet to die outside. Mais le prophète doit mourir à Jérusalem. The prophet has to die in Jerusalem. Et nous avons dit que Jérusalem c'est l'autel. And we said Jerusalem is an altar. Mais cet autel c'est toujours un langage. That altar is just a language. Alors quand nous rentrons dans Deutéronome 21, when we go back in Deutéronome, l'Écriture dit ceci. The Bible said, suivez-moi bien.
Quand vous trouvez un homme étendu dans un champ, when you see a person laying down in the garden, sans connaître qui l'a frappé, and if you don't know who beat him up, donc c'est que cet homme-là, il est dans les champs. That person is in the garden. Il est dans les champs, il n'est pas dans la maison. He is in the garden, he's not in the home. Il est dans les champs. He is in the garden. Vous avez entendu l'on dit garde le fil. C'est la même chose. Hein? Donc les champs, the garden of c'est les lieux du service. It's a place to, of service. C'est que cet homme, that person, on l'a tué dans les lieux du service. They killed him while he was. Mais sans connaître qui l'a tué. And nobody know who killed. Est-ce que vous comprenez ça? You understand that? Sans connaître qui l'a tué. Nobody know who killed. Or l'hôtel, hein? An altar. C'était les lieux du service. It's a place also. C'était les lieux de sacrifice. It's a place to sacrifice. C'était un lieu de service. It's a place of service. Sur ce lieu, c'est là où on trouvait les cadavres de brebis. On that place, we can only find the dead animals of sacrifice. Et quand il faut parler des prophètes, and when we talk about prophets, les prophètes, prophets, on les trouvait aussi sur l'autel. They were only to be found on earth. Alors cet homme ici, that person, qu'on a trouvé mort, who was found dead, sans connaître qui l'a frappé, and nobody knew who beat him up. Et j'ai dit que cet homme l'a trouvé mort où? Dans un champ. That person was found dead in the garden. C'est-à-dire qu'il était dans un service, dans that un travail. He was working. Cet homme qu'on a trouvé mort sans connaître qui l'a frappé. That person who was found dead and nobody knew who beat him up. Cet homme. That person. Son nom c'est le Seigneur Jésus. His name is Jesus Christ. Puisque le Seigneur Jésus. Because Jesus Christ. On l'a trouvé mort. They found him dead. Sans connaître qui l'a tué. And nobody knew who killed him. Qui a tué le Seigneur? Hein? Selon la Bible ou bien? Selon la parole de Dieu? On l'a trouvé mort. Jésus est Dieu. Jesus is. Qui peut tuer Dieu? Who can kill the Lord? Qui peut tuer? Who? Hein? Qui peut tuer Dieu? Donc l'homme est trouvé dans un champ mort. The person who was found dead. C'est le Seigneur Jésus. Is Jesus Christ. Et les gens dans lesquels on l'a trouvé mort, and the garden in that Jesus was found, c'était Jérusalem. It was in Jerusalem. Souvenez-vous ce jour-là, you may remember, quand on avait arrêté le Seigneur, when they arrested Jesus Christ, on l'a frappé, they beat him up, on l'a mené sur la croix, and they took him to the cross. À côté de lui, near him, on a mis un volet à droite, un volet à gauche, and another one on left. Quand les militaires sont venus, when the soldier came, pour couper les gens, to cut off their ils ont coupé. Couper les jambes au premier volet. They cut off the legs of the first person. Et au deuxième. And the second person. Mais quand ils sont arrivés chez le Seigneur, but when they went to Jesus, ils ont trouvé des jambes. They found him dead already. Qui l'avait tué? Qui l'avait tué? Il a mort son hein? Qui l'avait tué? Il a mort son non. Qui l'avait tué? Il a mort son. Écoutez. Listen. Personne ne peut tuer Dieu. Nobody can kill the Lord. Personne. Nobody. Qui peut tuer Dieu? Who can kill the Lord? Le Seigneur d'ailleurs le disait quand il était vivant. He even said when he was il dit ceci. He said, j'ai le pouvoir. I have the power. De donner ma vie. To give my et de la récupérer. And to take it back. Vous comprenez ça? Souvenez-vous, un jour je vous parlais de ça dans une autre dimension. I told you in another way one day. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, when the Israelites were in the desert, ils avaient besoin de boire l'eau. They needed water to drink. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? What Lord told Moses? Dieu a dit à Moïse ceci. And Lord told Moses. Moïse. Moses. Moi Dieu. Me, the Lord. Je vais aller m'asseoir sur le rocher. I'm going to sit on the rock. Vous comprenez? Prends la verge. Took only your throat. Le rocher. Bit. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Moïse, that means Moses, c'est lui qui a tué. Is the one who killed. Maman, il ne comprend pas. Maman, il regarde. Maman Israël, il ne comprend pas. C'est Moïse qui a tué. It's Moses, amen. Est-ce que jusque là vous ne comprenez pas? Papa, c'est moi, mais regarde, il n'a pas compris. C'est Moïse qui a tué. It's Moses qui a tué. Ouais, c'est Moïse qui a tué. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais l'écriture dit non, tu dis comment? Tu dis non,
toi tu interprètes, ne pose pas de questions. My heart is not believing. Hein? Ouais, continue à interpréter. Et après, tu vas poser ta question. Donc, nous disons par rapport à cette écriture que c'est Moïse qui a frappé. It's Moses. Puisque Dieu a dit à Moïse. Moses. God told Moses. Pour que le peuple puisse avoir de l'eau boire. In order for people to drink. Puisque l'eau c'est la vie. Water is life. Pour que le peuple ait la vie. In order for them Moïse to frappe. Moses. Quand Moïse a frappé, c'est alors que le rocher a donné de l'eau. Therefore, the water. C'est là où nous comprenons que c'était Moïse. Now we understand Moses. Qui avait tué Jésus à la croix. The one who killed Jesus on the cross. Maintenant on se comprend. Moïse dont nous parlons. Moses, c'est pas Moïse, homme, papa, yaya. Moïse, c'est la loi. Amen. Amen. Moses is the law. Papa, yaya, pour moi, quand même. Hein? Va vite. Donc, nous disons ceci. I'm saying, Moïse, Moses, qui a tué le Seigneur, c'est pas un homme, c'est la loi. Et la loi, c'était Dieu lui-même. Pour que dire que Dieu lui-même s'est donné la mort. God himself killed himself. Esaïe en avait déjà aussi prophétisé. Esaïe 50. Esaïe 53. Esaïe 53. Vous êtes là? Are you there? Ok. Quelqu'un peut nous lire. The person can read for us Isaiah 53. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 4. Starting from verse 4. Frère, papa des frères, tu es prêt? Ou soit papa Benoît, si tu es prêt, dis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Vous voyez? You see? Frappé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé. God himself beat him up. C'est Dieu lui-même qui a frappé le Seigneur. God himself. Puisque le Seigneur, personne n'avait le pouvoir de le frapper. Because nobody could kill Jesus. C'est-à-dire, regardez. Vous savez même quand les gens étaient allés pour arrêter le Seigneur. Even people who went to arrest Jesus. Le Seigneur s'était présenté devant. Jesus presented quand le Seigneur s'est présenté devant. When he presented himself. Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Hein? Tout s'était tombé. They all fall down. Pour vous dire. That means. Qu'il n'avait pas le pouvoir de mettre la main sur le Seigneur. Nobody had the power to touch. Mais pour qu'il mette la main sur le Seigneur, le Seigneur s'est donné. Jesus gave himself up. Voilà là le Seigneur devient l'agneau. And Jesus from there became. Mais comme il est lion, if he's alive, quand il est lion, personne ne peut le toucher. Nobody can touch him if he's alive. Alors quand il change, when he changed, il devient l'agneau. C'est là qu'il dit touchez-moi maintenant. Now he said touch me. Est-ce qu'on se comprend? Mm-hmm. Donc cet homme ici, that person, c'est le Seigneur Jésus. Is Jesus. Mais regardez une chose. Now listen. La loi dit ceci. The law said que on va mesurer. They are going to measure à partir du cadavre from the dead body jusqu'à la ville rapprochée. Until the town near. Or le Seigneur était mort à Jérusalem. And Jesus died in Jerusalem. Quand il faut mesurer, when you measure, la ville rapprochée de Jérusalem, c'est où? La ville est rapprochée de Jérusalem, c'est où? C'est toujours Israël, non? Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Non. La ville rapprochée the town that is de Jérusalem, il était d'abord dans quelle tribu? Il était d'abord? Dans quelle tribu? Dans la tribu de Juda. Mm. Ok? Oui. Juda était de quel côté? Juda était de quel côté par rapport au fleuve Jourdain? À l'est ou à l'ouest? Puisque quand ils ont traversé la mer, le fleuve,
Il y a eu trois tribus qui sont restées de l'autre côté du fleuve, et les autres tribus sont allées de l'autre côté. C'est là où était Juda. Ok? Jérusalem se trouve dans Juda. Jérusalem. Les voisins de Juda, c'est quoi? Ce sont d'autres tribus là d'Israël. Ce sont d'autres tribus d'Israël. Ce sont les voisins. Donc d'autres tribus là, ce sont les villes rapprochées. Dans notre langage, c'est Israël qui est la ville rapprochée. Là, quand vous prenez Israël comme une ville, comme un pays, c'est la ville rapprochée du cadavre. The city that was near the dead body. Mais la loi dit ceci. The law says, vous allez prendre la génisse. You are going to take a heifer. La génisse. A heifer. Vous allez l'amener dans un torrent. And you are going to take it to a torrent. La génisse qui n'a pas encore travaillé. The heifer that is he hasn't done any work. Vous comprenez ça? Mm. La génisse qui n'a pas encore porté un fardeau. He hasn't put himself a yoke. Donc c'est une génisse qui n'a pas encore porté de fardeau. Quand on parle de la génisse c'est les petits d'une vache qui n'a pas encore mis bas, qui n'a pas encore de petits. C'est cette génisse là que vous allez briser sa nuque. They're going to break his neck. La force de l'homme c'est au rein. The force of human being is. Mais c'est la force d'un animal c'est la nuque ici. But the force of an animal is quand vous brisez la nuque, c'est fini. When you beat an animal in his neck, mais cette génisse là, vous allez laver vos mains sur la génisse. And you are going to wash your hands on pour dire que nous sommes innocents. To say that we are innocent. Je n'ai pas le temps d'expliquer la génisse. I don't have time to explain. Mais je vais terminer dans quelques minutes. I'm going to finish in a few minutes. Puisque il est déjà 17h30. Because it's already 5. Quand le Seigneur Jésus, on l'a mené devant Pilate. When they brought Jesus to Pilate, Pilate a regardé le Seigneur. And Pilate saw Jesus. Nous lisons ça en Matthieu 27. Matthew 27. Matthieu 27. Matthieu 27, lisez à partir du verset 26. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges, Jésus. Non. Verset 24 plutôt. 24. Pilate, voyant qu'il ne gagna rien, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Perfect. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Donc Pilate. Quand on lui avait amené le Seigneur Jésus, when they bring Jesus to him, il a regardé, il n'a pas trouvé aucun crime en lui. He looked at him and he didn't see any fault. Et d'ailleurs, l'Écriture dit, the Bible said, même la femme de Pilate, even the wife of Pilate, avait reçu un songe. He had a dream. Dans le songe, elle était tourmentée à cause de ses justes. She was tormented because of what happened to puisque Jesus. Le Seigneur était juste. Jesus was a righteous man. Voilà alors pourquoi Pilate? Why Pilate? Comme la foule. Because of the crowd. Disait que non, nous devons le mettre à mort à cause de notre loi. The crowd started the riot. Et Pilate n'a pas trouvé un crime en lui. And Pilate couldn't see any crime. Pilate va prendre de l'eau. Pilate took water. En présence de tout le monde. He took water in front of everybody. Il va laver les mains. And he washed his hands. Hein? Il a lavé les mains. Wash his hands. Pour accomplir Deutéronome 21. To accomplish Deuteronomy 22. Puisque Deuteronome 21 disait. Because Deuteronomy said. Quand vous trouvez un corps étendu dans un champ. When you found a body in the garden. Pour que vous soyez innocent. In order to be innocent.
Il faut laver les mains sur la jeunisse. On that heifer. Voilà Pilate, il a lavé les mains. Pilate washed his hands. Pour dire que Pilate, that means Pilate, c'est lui le vieillard qui devait laver les mains, l'ancien qui devait laver les mains. He was the elder of the church. Mais Pilate, était gouverneur. He was a governor. C'est qu'il était chef. That means he was a puisque dans la loi, c'est le chef qui devait laver les mains. It was the chief who could wash et Pilate a lavé les mains pour dire que je suis innocent de ce sang. And he said, I'm innocent. Mais Pilate, but Pilate, il n'était pas juif. He wasn't a Jew. Il était étranger. He was a stranger. Vous comprenez ça? Pilate était étranger. Pilate was c'est pour dire que l'étranger a lavé les mains. That means the stranger. Il a dit que ce sang. Que ce sang ne retombe pas sur vous. He said his blood will not be upon me. Mais la foule, but the crowd, a dit shouted, que son sang, his blood, ne retombe sur nous et sur nos enfants. May be upon us, our kids. La foule, the crowd, cette foule qui a dit, that crowd c'était said, Israël. That was Israel. C'est Israël, Israel, qui a dit que son sang retombe sur vous. Israel said the blood of Jesus. Mais nous, son sang ne retombe pas sur vous. C'est-à-dire que nous sommes innocents de la mort du Seigneur. We are innocent of the death of Jesus Christ. Le Seigneur, Jesus Christ, il s'est tué lui-même. He killed himself. On ne connaît pas celui qui l'a tué. We don't know who killed him. Moi, je suis innocent. Me, I'm innocent. Son sang n'est pas sur lui. His blood is not. Voilà pourquoi je suis déjà justifié. That is why I'm already justified. Est-ce que son sang n'est pas retombé sur moi? Because the blood of Jesus ni sur mes enfants. Je suis dans la joie que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. We are going to stand up pour la prière.